Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode, mais pas que, également une nouvelle série sur Exclaimer sur Minecraft. On reprend tout à zéro, on va reprendre un nouveau rythme, un nouveau format de vidéo, donc voilà, rentrée pour moi également. Donc voilà, bim, ça c'est la place de la mairie. Donc je vous présente, je vous avais pas encore montré un petit peu la mairie, donc c'est ce que j'ai fait au centre aéré avec les enfants, donc super reconstruction, moi j'aime vraiment beaucoup. Il n'y a pas que cette mairie, donc j'ai mis celle-là voilà, en présentation, on va dire, pour meubler un petit peu l'espace. Et ça va me permettre de faire un petit peu le mobilier urbain qu'il y a tout autour. Et ça va être le sujet de cet épisode. Donc, j'étais en train de changer un petit peu les blocs qui apparaissent ici. Hop, et j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Il y a les dalles de granit. Et ça, c'est vraiment top. Parce que du coup, je vais pouvoir faire un truc beaucoup plus lisse, beaucoup plus joli également. C'est vraiment cool. Hop. On va faire un petit peu de build sur la route ensemble. C'est sympa, comme ça on va pouvoir discuter un petit peu. Donc comme je vous le disais, nouvelle série, donc nouveau format. Donc voilà, ce sera un épisode tous les dimanches. Voilà, donc des épisodes beaucoup plus gros, hein, je pense, forcément, du coup, vu qu'il y en aura moins souvent. Mais du coup, voilà, moi ça me permet de reprendre un petit peu à zéro, de remettre des miniatures, puis c'est la rentrée. Il y aura plein de choses nouvelles qui vont arriver sur la chaîne. J'ai supprimé toutes les anciennes vidéos d'ailleurs, donc voilà. Sans trop de regrets, on va dire, parce que c'était pas forcément des vidéos super avec un super contenu, un contenu vraiment inédit, etc. etc. J'ai quand même gardé la saison 2 d'Exclaimer sur Minecraft, donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Sur tous les derniers épisodes, là, j'avançais plutôt bien. Bon, c'est les meilleurs, hein, forcément. Pour moi, les derniers sont les meilleurs parce que je me suis amélioré avec le temps. Bah maintenant je sais faire des miniatures. Comme vous pouvez le voir si vous regardez un petit peu, si vous suivez la chaîne, les vidéos sur LOL, bah, des miniatures vraiment travaillées où je prends vraiment beaucoup de temps. Et puis voilà, c'est quand même beaucoup plus sympa, des miniatures, tout simplement. Bon, voilà. J'ai utilisé ce bloc aussi, donc je sais pas si vous connaissez un petit peu la place de la mairie d'Aix-les-Bains. Pour moi c'est un petit peu le bloc qu'il faut. J'ai hésité avec les briques au début, mais briques, bah ça fait trop briques tout simplement. Mais le sol, je sais pas si vous voyez, c'est des petites dalles qu'il y a au sol, enfin, comme des briques en fait, mais c'est juste la couleur de la brique est pas très beau, et puis à les joints comme ça, ça rend vraiment mal. Donc voilà, j'utilise ce bloc et puis on verra bien. De toute façon, un petit coup de world edit et ça change très rapide. Hop. Donc là je suis en train de faire les rues adjacentes, comme ça ce sera fait. Hop. 7 granites. Voilà, là c'est parfait là. D'ailleurs petite musique en fond, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous dérange. J'espère que je me fais pas strike la vidéo parce que ça me ferait mal au cœur. Hop. Normalement elle est pas assez forte. Enfin en tout cas moi je l'entends fort, mais normalement pas vous. Je l'espère. Hop, là on va faire un petit peu un truc en diagonale. Voilà, comme ça. Pareil pour les dalles. On évite de faire du demi-niveau parce que ça c'est vraiment galère pour construire. Voilà. On va faire ça. Et là on est parfait là. Ici je crois que c'est un mur. Hein. C'est un mur comme ça. Donc on va faire un mur comme ça tout simplement. Si j'y arrive. Du coup dans cet épisode on va commencer par faire l'arc de Campanus, donc voilà. Puis vidéo qui risque d'être chargée en contenu, comme vous l'avez dit, avec le nouveau programme, on va dire, où je fais vraiment des épisodes plus intéressants, plus chargés en contenu vu qu'ils sont plus rares. Même si ces derniers temps j'en faisais plutôt un toutes les deux semaines. Là ça va être tous les dimanches, du coup avec un gros contenu. Je sais pas si on aura le temps de finir la place de la mairie. Je pense qu'on en aura fait une grosse partie, notamment la fontaine, le mobilier urbain qu'il y a au centre, on va dire. L'arc de Campanus, la petite fontaine qu'il y a ici, et puis je vais commencer aussi par la route. Tiens, je vais commencer par la route et puis on se retrouve dès que je l'ai fini. Et à tout le monde, donc on se retrouve après plusieurs heures, voire jours de boulot. Et oui, comme vous pouvez le voir, j'ai plutôt bien avancé. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, tranquille. Bon, alors on va commencer par l'Astoria, qui est en train de charger.
Voilà, donc moi et Raphaël plutôt, on a commencé un petit peu à faire la façade de ce bâtiment. Donc voilà, bâtiment très 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 ancien avec vraiment plein 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 de détails dessus. Donc il risque de prendre un petit bout de temps avant que je le finisse. J'ai également commencé un petit peu la place de la mairie, vous avez déjà vu. J'ai fait les petits bancs qu'il y avait là, j'ai positionné les arbres. J'ai aussi commencé la fontaine et c'est ce qu'on va finir ensemble. On va finir ensemble. Donc là, j'étais en train de poser les petits pots de fleurs. Je sais pas si vous connaissez des petits pots de fleurs. Bon, normalement, ils sont pas comme ça. Ils sont des pots en terre cuite, d'une forme un peu arrondie, un petit peu penchée aussi. Donc voilà, enfin, je les ai représentés comme ça. On va dire que j'ai fait de mon mieux sur Minecraft. Alors, quant à la fontaine, je galère un petit peu parce que je ne la connais vraiment pas beaucoup. Et c'est un petit peu compliqué parce qu'on la voit pas très bien sur Google Maps. Ouais, j'essaie de faire de mon mieux. Ça fait un truc grosso modo comme ça. Hop, et après il y a plein de plantes de partout. Super joli d'ailleurs. Alors là, il y a des plantes. Hop, je sais pas si on a devant. On va pas très bien voir si on a devant. Faire un truc comme ça. Et on va mettre des plantes, genre on va en mettre là. Pourquoi les surélever en soi? C'est très bizarre comme ça. En fait, j'arrive pas à imaginer le truc. On va d'abord poser l'eau. Puis on va suivre la physique de. Hop, donc là on va la poser. Elle est pas tout en haut normalement, elle est plutôt là. Typiquement là, on pourrait poser ici des fleurs. L'eau est magnifique. Vraiment beaucoup mon pack de texture avec le petit shader ce qui va avec. Ici on va faire des sources de l'infini. Mieux. Hop, nickel. Le sol aussi, je vais le changer. Voilà, c'est pas compliqué. Il suffit de mettre des blocs de sandstone à la place. Et en termes de petites fleurs, bah, je sais pas trop quoi mettre. Le problème c'est qu'on est trop limité en nombre de fleurs sur Minecraft. Pas genre faire des fleurs multicolores, etc. Du coup je vais poser des petits buissons pour l'instant. Ouais, il y a un petit buisson tout à l'heure. Ça fait vraiment trop chelou. On va l'enlever. Voilà. Voilà, on va placer les fleurs. Hein. Voilà. Par ça, on va essayer de les espacer un maximum. Un manque de tulipes orange de ce côté. Des fleurs rouges là. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, ça ressemble pas exactement, mais on va dire que c'est à peu près ça. D'ailleurs, avant que j'oublie. Aussi que j'en fasse les petits packs qu'il y a devant. Hop. Comme ceci, et puis là on va mettre. Voilà, comme ça. Et c'est pas mal. Bon, je vais pas tout faire dans cet épisode, je vous garde la surprise pour le week-end des Journées du Patrimoine.
Du coup, j'aurai vraiment totalement fini la place de la mairie et sans doute une vidéo un peu spéciale avec une grosse, grosse cinématique qui présente un petit peu les anciens thermes. Et oui, les bâtiments, les monuments plutôt historiques de la ville d'Aix-les-Bains, donc les thermes, la mairie et la fontaine. Non, la fontaine. Et sans oublier la petite arc de triomphe, hein, même s'il est mal fait. Parc de triomphe, parc de campagne, pardon. Bon, allez, on se retrouve du coup dimanche pour la suite de notre aventure. Bye bye.